Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais faire un full face avec une marque, donc la marque Too Faced. J'ai quasiment tous les produits qu'il faut, à part le crayon pour les yeux, j'ai qu'un rouge à lèvres aussi de cette marque-là. Bref, je vais faire avec les produits que j'ai. Je vais vous les présenter un à un. Je vais vous dire ce que j'en pense aussi. Alors, il y a des nouveautés dedans que je vais essayer, notamment l'anti-cerne Born This Way. Donc, lui, je ne l'ai jamais utilisé. Et la dernière palette qui est la palette des fêtes, Pumpkin Spice. Voilà. J'ai pas de. C'est ma première palette Too Faced. Donc, je suis contente parce que. Ben, voilà, j'avais envie d'avoir une palette de cette marque-là. Et pourquoi j'ai choisi celle-ci? Premièrement parce qu'elle était en solde sur Sephora. Et aussi parce que en voyant l'harmonie sur internet, il y a quelques couleurs qui m'ont accroché le regard, notamment celle-ci. Alors, je suis un peu déçue parce que celle-ci, je la voyais plus verte. Et celle-ci, je la voyais plus intense aussi. Mais voilà, les fards sont. Voilà, il y a quelques fards qui m'ont tapé dans l'œil. Et puis, ben, voilà, j'aime bien le packaging. Et puis, comme c'est une nouveauté, ça me permet aussi de vous présenter quelque chose qui n'est pas sorti il y a des années, comme les chocolate bars ou je sais pas quoi. Enfin, bref. Donc, voilà. Ben, j'espère que ça vous plaît comme idée de faire en fait un full face d'une marque. Je pense en faire d'autres avec d'autres marques. Alors là, je vais souvent regarder sur le côté parce qu'en fait, je filme avec ma caméra frontale. Donc, du coup, je me vois pour des questions pratiques pour moi. Voilà. Bon, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Si vous regardez mes vidéos et que vous n'êtes pas abonné, c'est bien de le faire. Comme ça, pour moi, ça, c'est beaucoup. Et puis, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce en l'air si la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à partager mon compte avec vos amis ou la famille si vous pensez que ça peut leur plaire. Et puis, si vous voulez être au courant de quand je sors une vidéo, vous pouvez activer la cloche des notifications. Voilà, pour être tenu au courant de toutes mes sorties. On va commencer de suite avec quelque chose qui va me rafraîchir parce que je viens de passer plus d'une heure à faire des courses et tout. Donc j'ai chaud, j'ai rangé les courses, j'ai dégelé mon réfrigérateur, mon congélateur et tout. Donc. C'est là, c'est un spray, donc c'est la gamme Hangover. Alors, avec les ring light, vous n'allez pas bien voir. Donc c'est c'est une base, un spray qui fait 3 en un en fait. Qui fait base, qui peut aussi tenir, enfin faire tenir le maquillage et aussi rafraîchir. Donc moi, c'est bien ce qu'il me faut. Donc ça, pareil, je l'ai testé qu'une fois. Et donc au niveau de la base, pas de surprise, c'est la Plump and Prime. Donc c'est une base qui est hydratante. Il y a une autre base qui est beaucoup beaucoup aimée des influenceurs, des youtubeurs beauté, etc. C'est la Prime and Poreless. Donc celle qui permet de combler les pores, enfin vraiment de lisser de la peau. Moi, c'est pas du tout ce que je recherche dans une base. Moi, ce que je cherche, c'est vraiment avant tout de l'hydratation. Parce que je pense que vous avez vu mon grain, enfin, que ma peau est sèche et que, effectivement, quand je me rapproche, vous voyez, j'ai pas vraiment de problème de pores dilatés. On voit mes pores, hein, normal. Mais j'ai pas de problème de points noirs. Et voilà. Donc, c'est ce que je recherche surtout, c'est de l'hydratation. Et celle-ci est très bien pour ça. Vraiment, c'est une gelée un peu épaisse, mais qui sont très bien à la peau. Et elle me convient parfaitement. Donc, au niveau du fond de teint, j'avais le Born This Way normal, mais la teinte c'était trop foncé. Donc, je l'ai donné à ma petite sœur, Inès. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et donc là, c'est le Born This Way Matte. Je l'aime bien parce que justement, en fait,
il est pas trop couvrant, c'est-à-dire que, enfin, il peut avoir une très forte couvrance, il est modulable en fait. C'est ça que j'aime, c'est que moi je vais mettre juste une pompe et demie. Donc c'est en la teinte, c'est Swan. Donc forcément avec la ring light, je pense que je vais investir quand je serai dans mon appartement avec mon chéri dans des luminaires. Mais là pour l'instant j'ai juste une mini ring light pour téléphone portable et du coup c'est ça fait tout de suite beaucoup plus blanc que ce que c'est normalement, mais on fait avec. Et donc ce fond de teint je l'adore vraiment, il est parfait parce que si vous voulez une forte couvrance vous rajoutez de la matière, et moi je comme j'aime les couvrances légères, et ben celui-ci il est vraiment parfait pour ça parce que je peux vraiment le moduler et j'aime beaucoup. Donc j'ai pas de base à paupières de la marque. Je sais même pas si ça existe d'ailleurs, de cette marque-là. Et au niveau des sourcils aussi, j'ai pas de produit Too Faced sourcils. Je pense que oui, il y en a, c'est sûr, mais moi j'en ai pas. Donc vous voyez, il laisse un fini sur la peau vraiment très naturel. Il faut vraiment que je rajoute au niveau de mon piercing, par contre, il faut que je prenne la pointe. Et j'en fous partout aux côtés. Et vraiment, vous voyez, il ne fait pas d'effet matière. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime dans les fonds de teint. Les fonds de teint qui font pas d'effet matière. Vraiment, c'est un gros coup de cœur. C'est un de mes favoris de l'année, de toute façon. Je pense parce que vous l'avez vu beaucoup. Alors, je vais tester pour la première fois le petit concealer. Donc, le Born This Way. Il est censé être super couvrant. J'ai la teinte Snow. Mais il me semble que j'avais commandé la teinte. J'avais pas commandé cette teinte-là. Oui, elle est trop foncée. J'avais commandé la teinte Cloud, je sais pas. Bah, c'est pas grave. Enfin, ça va pas illuminé. Ah oui, elle est assez épais. Je suis désolée, hein, du coup, je ne regarde pas là. Parce que je me sers de mon téléphone comme de miroir. Effectivement, il est très courant. Si vous aimez les anti-cernes courants. Oh, il a un très très beau fini. Oh, j'aime beaucoup. Il y a 4 ml de produit. Ouais, il fait bien vraiment le. Et vous voyez, le fond de teint, il est vraiment mat, quoi. Je ne l'ai pas poudré là. J'aime beaucoup le résultat de l'anti-cerne. Je suis satisfaite pour l'instant. Au niveau de la poudre, j'ai la poudre qui va avec le fond de teint et avec c'est la Born This Way, hein, c'est la même gamme. Je vais fixer avec un pinceau, puisque j'ai pas envie de tâcher. Attends. Au niveau des produits teints, j'ai ces deux produits-là que j'adore. Donc ça me permet de faire mon contouring. Et ça, blush highlighter. Vous voyez. Très sympa comme packaging, je trouve. Là, du coup, je vais faire quelque chose de lumineux. Je vais mélanger les deux. Et puis, hop. Alors, c'est très discret comme produit, donc vous pouvez y aller, c'est pas très pigmenté. En plus là j'ai pris un gros pinceau.
j'ai trop enfoncé le... Heureusement que c'est pas trop trop pigmenté parce que j'ai vraiment... Je suis pas allée de main morte avec mon pinceau. Il est assez... assez dur comme pinceau en plus. Oui, il faut que je lave mes pinceaux, comme d'habitude. J'en ai encore une tonne à nettoyer. Et comme je tourne beaucoup de vidéos, parce que j'en sors 4 par semaine, voilà, il faut que je fasse des choix un peu. Et du coup, en highlighter, je vais utiliser le rose qui va avec, là, qui est foncé pour ma peau, mais c'est pas grave, je le mets au-dessus. Hein. Je vais pas en mettre partout, du coup, sinon ça va me colorer le visage. Si je le mélange avec, avec le blush, ça passe. Là. J'en ai mis beaucoup. J'ai attendu que ça sèche maintenant. Alors, j'ai hâte de commencer et de tester cette très belle palette. Alors, je vais poudrer mon arcade sourcilière, pardon, avec le beige qu'il y a ici. J'espère qu'il est assez clair. Un peu foncé pour moi, mais c'est pas grave. Maintenant, il y est mis. Bon, j'ai pas mis de base, mais j'ai quand même le. Ouais, beaucoup trop foncé. Et normalement, moi je mets toujours un beige pour faciliter mes transitions, mais c'est un beige plus clair qu'il me faut. C'est la première fois que je vais tester les fards de la marque. Donc je sais pas du tout s'ils sont bien pigmentés ou pas. Voilà. Ouais, ça accroche bien parce que j'ai de l'anti-cerne qui est pas poudré. Et du coup, ça accroche énormément la matière. Et la couleur est très très belle. Je vais prendre la teinte Love You Latte ici. Ouais, elle a l'air très poudreuse celle-ci. La teinte beige que j'ai mise, je vais la reprendre pour parfaire le dégradé. Je vais nettoyer un petit peu ma paupière avec l'anti-cerne. Donc je vais en mettre un petit peu sur ma main. Sur le dos de ma main. Et je vais prendre un pinceau comme ceci, plat. Et je vais nettoyer ma paupière. Donc, hop. Bon, allez. Vous voyez, en fait, pour couper votre paupière, vous mettez du produit et vous levez au ciel. Et en fait, ça vous donne votre forme. Allez, ça fait une jolie forme de cut crease. Et je vais prendre la teinte... la teinte... Spice of Life, donc le violet là, enfin le parme, et je vais le mettre vraiment dans le coin interne. Et avec l'autre côté de mon pinceau, je vais prendre le rose, le spicy là. Que je vais mettre à la suite. Mmh.
ferai ça après. Et pour finir, je vais prendre la teinte Ginger Spice, donc l'espèce d'oranger un petit peu. De l'anti-cerne et je nettoie ici. Voilà, ça fait un peu une forme graphique comme ça, j'aime bien. Et au niveau du ras de cils inférieur, je prends un pinceau boule comme ça et je vais mettre la teinte Pumpkin Spice qui est un peu jaune moutarde. Ah mince, par contre si je fais ça, vous n'allez rien voir, j'espère que je n'ai pas fait ça pour le reste. En fait, je fais ça pour utiliser le plus de couleurs possible. Je vais prendre la teinte à la mode, comme ceci, qui ressemble beaucoup à Love You au latte, mais un peu moins violette. Enfin, il y a un sous-ton violet dans l'autre. Passer aux teintes irisées, donc je vais mettre la sur la partie violette, celle-ci c'est la PSL and Chill avec un petit pinceau précis. Alors j'espère que ça se prélève bien avec le pinceau. Ouais, très bien. Ouh, c'est beau, magnifique teinte irisée. Donc je la mets vraiment sur toute ma forme violette. Ensuite, je vais prendre la teinte Oh My Gourd ici. Donc avec l'autre côté du pinceau sur la partie rose. Quand je vais mettre la même teinte sur le orangé aussi, ça passe. La Oh My Gourd ici. Je vais prendre la teinte la plus foncée de la palette, c'est la Warm and Cozy, et je vais la... Oui, je veux. J'ai envie d'intensifier le côté. Paupières coupées en fait. Rajouter de matière dessus. Je vais faire l'autre œil et puis je vous reprends après. Voilà, j'ai fini le deuxième œil. Alors bon, voilà, ça se voit que j'ai voulu utiliser le plus de couleurs possible. J'ai mis du noir en muqueuse parce que j'ai pas de noir de la marque. Je vais mettre un trait d'eyeliner. Donc moi, l'eyeliner que j'ai de chez Too Faced, c'est le Better Than Sex. Donc c'est aussi une gamme. Et je trouve que il bave un petit peu, j'espère que ça ne va pas le faire là. Il a tendance à en fait à remonter dans les fards. Là, ça n'a pas l'air de le faire.
Et je vais suivre en fait le... Le tracé que j'ai fait au phare. Par contre, je trouve qu'il faut pas mal le secouer. Utiliser. C'est plein de petits poils, un peu comme le celui de chez KVD Vegan Beauty. Comme le tattoo liner. Et au niveau du mascara, c'est le Better Than Sex aussi que j'ai. J'ai aussi le Dame Girl qui est très bien. Ils n'ont pas du tout le même fini. Enfin, le Dame Girl, il fait vraiment des cils bien épais. Lui, il est défini un peu plus, je trouve. Je vais recourber mes cils. Je suis en train de me rendre compte que le rouge à lèvres que j'ai de la marque, c'est un rouge pailleté. Ça va pas du tout aller avec les yeux. Mais bon, déjà les yeux. Donc là, il a une grosse bourrasse, vous voyez, en sablier un petit peu. Donc là, c'est le résultat avec juste une couche. Voilà le résultat avec une deuxième couche. Alors, le seul donc rouge à lèvres Too Faced que j'ai, c'est celui-ci. Il est trop beau, c'est le Too Too Hot. Je pense que ça devait être une collection des fêtes, parce que vous voyez, il est rouge pailleté. Rouge qui tire sur le rose. Je vais quand même le mettre parce que j'ai vraiment envie de faire le total look. Mais c'est sûr que c'est pas. J'aurais choisi plutôt un nude, un marronné pour aller avec, avec le maquillage. J'aime bien mettre beaucoup de ce genre de rouge à lèvres. Il est vraiment hyper agréable à mettre. Les paillettes se sentent pas, elles sont pas trop épaisses. Et vraiment, je l'adore ce rouge à lèvres. Bah écoutez, voilà. J'enlève pas mon petit truc là. Parce qu'en fait, j'ai les cheveux sales. Il va falloir que j'aille les laver là après. Bref. Le make-up est fini, je vais juste rajouter une petite touche de spray pour fixer le tout. Alors, je m'éloigne parce que j'ai pas envie que ça fasse couler. Donc voilà le résultat final. Ce que j'ai à vous dire au niveau des produits. J'adore les produits teints, vraiment, ils sont super. En ce qui concerne la gamme Born This Way, donc le fond de teint, la poudre, l'anti-cerne est très bien aussi. Les produits comme. Alors, cette gamme-là, là, c'est. Je crois qu'ils ont fait des petites palettes qui vont avec, qui m'ont l'air très très belles. Alors ça, faut aimer les teints irisés, hein, forcément, parce que c'est, vous voyez, c'est très très intense au niveau des paillettes, des nacres, etc. Moi, j'aime bien, donc ça me pose pas du tout de problème. Je trouve que c'est des bons produits. Le spray est très bien aussi, donc le hangover là, 3 en 1. J'adore le mascara, j'adore le l'eyeliner, même s'il faut quand même bien le secouer pour avoir du produit.
Il fait vraiment des traits fins et il est agréable le fait que ce soit plein de petits poils et pas un feutre. C'est très agréable à utiliser. C'est bien pour faire des petits détails, etc. La palette, je pense que j'ai eu un peu de mal à la travailler parce que j'avais l'anti-cerne qui n'était pas sec de ce côté-là. Parce que quand j'ai travaillé cette paupière-là, en tout cas avant de faire de découper ma paupière, l'anti-cerne était sec et du coup ça se travaillait beaucoup mieux. Donc je pense qu'il faut le poudrer avant de travailler, enfin mettre une base, pas cet anti-cerne pour travailler les fards. Et du coup, une fois que j'ai fait mon cut crease, du coup, pareil, j'ai eu du mal parce que j'ai pas laissé sécher avant de travailler. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal à travailler. Je pense pas que ce soit les fards de la palette. Au niveau de la palette, l'harmonie me plaisait plus en photo qu'en vrai. Parce qu'au final, quand je la regarde bien, il y a des teintes qui sont vraiment similaires. Celle-ci, celle-ci. Vous voyez, ça reste quand même pour moi, c'est du nude. Il y a quelques teintes qui ont retenu mon attention, celle-ci que j'aimerais bien utiliser d'ailleurs sous peu, qui est très jolie. C'est un doré avec des sous-tons verts dedans, j'aime beaucoup. La teinte Sweet Pea aussi. Sweetie Pie, je sais pas si on dit. Comme ça, qui va bien d'ailleurs avec ce fard-là. Ouais, voilà, ça reste une palette de neutre pour moi. Voilà, c'est pas transcendant. Le violet, le rose, là, sont pas mal. Le parme. Donc, je pense qu'il faut que je la reteste pour me refaire un avis. Mais les voyelles, les teintes irisées sont vraiment très belles. Je suis pas du tout déçue de ce côté-là. Ça se fond très bien, ça se prélève bien au pinceau. Le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres que j'aime énormément. Donc ça va pas du tout avec le make-up, mais ça, c'est pas grave. C'était vraiment pour faire le test. Voilà le full face, two face que je voulais réaliser depuis un moment. J'attendais ma palette en fait parce que c'est le produit que j'avais pas. Voilà, vous avez mon avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé la marque, si vous l'aimez. Et puis, ben, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!